Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour la deuxième édition de la marche contre la décharge sauvage. Honnêtement, j'espère qu'il n'y aura pas de troisième. Depuis quelques années, il y a une entreprise peu scrupuleuse qui récupère des déchets issus des chantiers de région parisienne et qui vient les déverser sur un terrain qui appartient à un privé sur la commune. Donc on fait cette marche, on a déjà fait ça l'année dernière, on l'a refait cette année, ça a avancé un petit peu depuis l'année dernière. Il y a au mois d'octobre, il y a un arrêté qui a été pris par la préfecture, un arrêté de consignation. Ça veut dire que l'arrêté de consignation, ça veut dire que l'entreprise qui est reconnue comme coupable, comme responsable en tout cas, de ces déchets, on peut saisir ses biens. Voilà, c'est ça que la préfecture a dit. Donc nous, à notre niveau, pour ce qu'on peut faire, c'est être là, c'est se mobiliser, c'est montrer que on lâche pas l'affaire et qu'on a besoin que ce dossier avance. Qui veut tenir la décharge? On est nombreux à s'être mobilisés ce matin pour nous rendre sur les lieux de cette décharge. On a marché depuis le centre d'Ory, on a longé la décharge et on a pu constater à quel point c'était écœurant de voir des tonnes de gravats qui sont amassés ici depuis des années. Alors évidemment, il y a des procédures en cours, des procédures judiciaires et administratives qui avancent, mais qui, à notre goût, avancent trop lentement. Un arrêté de consignation qui a été pris pour saisir les biens de l'entreprise responsable. Très bien, mais quand est-ce qu'on aura le résultat? À ce jour, on n'a pas de nouvelles, alors que ça date du mois d'octobre. Et nous, on n'en peut plus d'avoir ces gravats sur notre territoire. Notre quotidien, on se bat au quotidien pour préserver notre environnement, pour préserver notre cadre de vie. Donc laisser s'amonceler comme ça des déchets, ça n'est plus acceptable. Si on est là tous ensemble, avec les enfants, qui sont quand même l'avenir de notre commune et de notre environnement, c'est pour dire stop, nettoyez-nous au plus vite cette décharge sauvage. Il y a urgence.